Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de T10Vap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, test de liquide. On part encore une fois sur du lolo, et pas n'importe lequel. On va dire que ce lolo n'était pas du tout prévu dans ce que j'ai reçu pour le calendrier de la vape, mais j'ai décidé quand même d'en parler. J'ai fouillé un petit peu mon armoire de liquide qui se trouve juste à côté, qui est remplie de liquide, et j'avais fait un achat il y a quelques années de ça, de samples de chez Lolo. Alors, je ne sais plus de quand date ce lolo, mais je l'ai retrouvé et je me suis dit, je l'avais acheté pour le tester, et je ne l'ai pas encore testé. Donc, il doit bien avoir déjà une bonne année. Et donc, aujourd'hui, plutôt que de le tester dans mon coin, j'ai décidé de le tester avec vous, devant vous, parce que je pense que c'est vraiment la meilleure façon de tester un liquide. Là, vous aurez vraiment le ressenti immédiatement de ce que je peux en retirer, et je pense que c'est aussi ça un petit peu le concept, de découvrir des liquides ensemble. Donc, le coton est imbibé, et on passe tout de suite au test. Alors c'est impressionnant, impressionnant. Je vous avais pas dit le nom du liquide en début de vidéo. Le nom du liquide c'est Fantastix. Donc c'est, je l'avais acheté sous format de petit sample comme ça. C'est un format 10 ml rempli à 2 ml et qu'on vient ensuite nicotiner et booster en base derrière pour pouvoir le laisser reposer un certain temps. Fantastix, c'est une création de Lolo et si Lolo regarde ces vidéos, je sais qu'il les regarde encore Lolo. Merci pour cette découverte parce que Fantastix c'est vraiment un liquide extraordinaire. C'est une réussite exemplaire, vraiment il n'y a pas mieux aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un liquide fameux, vraiment doux, vraiment agréable. On a vraiment l'impression de boire du Fanta. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai pris ma première bouffée et on a eu cette sensation tout de suite du Fanta. Vous savez, l'aspect un peu pétillant, je ne sais pas comment Lolo tu fais pour reproduire cette sensation de pétillant un peu, mais elle est là, elle est vraiment là, on la retrouve, elle est exemplaire, elle est parfaite, c'est bien dosé, c'est pas trop à outrance, et pour ce qui est de la saveur Fanta, en règle générale, la saveur orangée, etc., etc., franchement c'est extraordinaire, c'est vraiment une réussite parfaite. Si vous êtes amateur de Fanta et que vous adorez vraiment cette boisson autant que moi, foncez, achetez un carton directement, c'est vraiment un liquide qui va vous plaire. N'hésitez pas à le tester, forcément, je ne vais pas vous dire forcément d'acheter vraiment un carton tout de suite. Testez-le, laissez-le reposer un certain temps et dites-moi ce que vous en pensez après en commentaire. Franchement, c'est un liquide d'exception. Bravo Lolo, bravo DINVAP pour cette réalisation. Et vous, testez-le si vous avez l'occasion, franchement, c'est extraordinaire. En attendant, nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.